son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Un, deux. André, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu m'entends pas fort? Pourquoi tu m'entends pas fort? Un, deux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, je touche plus, vous me direz si c'est correct. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. OK. Comme ça, c'est-tu mieux? Sinon, je vais canceller mon micro puis je vais utiliser celui de ma cam.
peu mieux ou pas? Ok. On oublie ça une seconde. Ça de même. Ok, bon. Là, 1, 2. Oups, boy. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Là, ça devrait être pas mal mieux, là. Ok, on va laisser ça de même. On va canceller le micro pour asseoir. Bon. Cool, excellent, super. Bon, ben on start ça. Yes. Bon, on va passer à la présentation comme ça. De même. On revient. Et ça ici. Excellent. Bon. Good. Bonne soirée tout le monde. Pour commencer, bon, le petit mot, le contenu de ce Facebook Live ne doit pas être considéré comme une recommandation d'ordre médical. Il ne doit pas servir à prendre une décision de cet ordre. Vous devez en tout temps consulter votre équipe soignante avant de prendre une décision concernant votre santé ou un traitement médical. Ça fait que ça, c'est pour l'aspect de responsabilité. Maintenant, ah ouais, juste avant de commencer, je voulais vous dire, je ne vous ai pas oublié, groupe, j'avais dit que toutes les gens qui donneraient 15$ comme contribution volontaire, il y aurait un tirage par semaine. Le seul problème, c'est que je ne m'attendais pas à avoir une si grande participation. Fait que là, faut, je trouve qu'un moyen simple de faire les tirages. Fait qu'il va toujours avoir 4 tirages, comme c'était prévu, un par semaine, là, dans le fond, grosso modo, du mois carnivore. Mais ils vont probablement être les 4 faits à la fin du mois carnivore. Mais il va y avoir 4 tirages. Donc, votre contribution va vous donner une chance de participer au tirage là, des 4 fois 30 minutes de coaching. C'est que je ne vous ai pas oublié, ça s'en vient. Mais puis je vais en profiter pour vous remercier pour votre très grande générosité, là, comme je vous dis. J'ai eu beaucoup plus de personnes auxquelles je m'attendais. C'est un peu pour ça que là, faut que je trouve un moyen simple de pouvoir extraire l'information de qui a participé, de mettre ça dans un système qui serait juste là, pour faire le tirage puis effectuer le tirage. C'est que ceci étant dit, on va commencer cette petite présentation. La présentation est basée sur la vidéo de Erin Kay qui a été faite au Low Carb à Denver, la présentation Low Carb Down Under à Denver en 3-4 ans, là, ça je me souviens plus. Is Low Carb Enough? A Look at Food Quality and Ancestral Principle. Le lien pour la vidéo, je le donnerai par après. Là, c'est sûr que sur la vidéo, vous ne pourrez pas le voir. Bon, parfait. Juste pour le fun, là, tout le monde, vous voyez bien la présentation là, présentement? Juste m'envoyer un petit pouce pour me dire que vous voyez bien la présentation, c'est plus ma grosse face. Good, good, excellent. Bon, ça fait que l'idée de la présentation ce soir, ça va être de parler de puis je vais mettre ça au clair tout de suite avant de commencer, parce que bien souvent, en alimentation, c'est tôt, on a des choses, des questions qui nous sont posées, à savoir, est-ce que le soya, est-ce que c'est céto, est-ce que un autre produit, est-ce que c'est céto, et ainsi de suite. Et la réponse qu'on donne, c'est toujours la même chose, en tout cas dans les groupes qui sont, dans les groupes qui sont fiables, comme Santé métabolique et dans le mien, c'est que
les aliments, ce qui fait qu'un aliment est céto ou pas, c'est le fait que cet aliment-là permette d'être en cétose nutritionnelle, donc que son ratio lipides et glucides soit plus élevé en lipides et plus faible en glucides, ce qui permet d'être en cétose nutritionnelle. Ça, c'est la définition scientifique d'un aliment qui est céto ou pas. Pourquoi on précise ça? Parce que bien souvent, les gens vont sortir des histoires comme le soya, c'est inflammatoire, ou les produits laitiers sont inflammatoires, ou les brocolis sont inflammatoires, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on finit par ne plus pouvoir absolument rien manger parce que tout ce qu'on peut manger devient inflammatoire ou est inflammatoire pour quelqu'un. Parce que là, vous dites, non, 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 soya, c'est pas inflammatoire. Oui, mais moi, ça me crée de l'inflammation. Oui, c'est possible. Chaque aliment peut être inflammatoire pour quelqu'un, mais ne sera pas nécessairement pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai répété souvent. Et donc, ça, c'est la définition. Dans la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que c'est la seule chose qu'on doit regarder? Et là où ce que je veux vous emmener, c'est pas de vous dire que vous ne devez jamais manger de soya ou vous ne devez jamais manger de X, Y, Z ou de produits hautement transformés, ces choses-là. Cependant, il y a des techniques de transformation des aliments qui peuvent emmener des problématiques. Et si ça vous concerne, si dans votre contexte à vous, ça vous concerne, mais à ce moment-là, vous devriez peut-être éviter ça. Et non seulement ça, mais si vous voulez juste aller vers l'optimum, vous avez déjà fait le choix d'adopter une alimentation qui est faible en glucides, qui est cétogène même, vous êtes strict, vous avez fait du jeûne intermittent, des jeûnes prolongés, et même vous êtes carnivore, vous avez décidé d'aller au maximum, bien, il y a encore des choses que vous pouvez faire pour optimiser encore plus. C'est un petit peu de ça qu'on va parler ce soir. Donc, on commence ça. Ici, vous avez la photo de M. Weston, de Dr. Weston A. Price, okay, qui était un dentiste, puis qui a travaillé avec des patients dans les années 20 et 30. Puis pendant qu'il travaillait avec ses patients, bien, il a fait un lien entre la dégénérescence dentaire, les caries spécialement, et les carences nutritionnelles. Dans le fond, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que chez ses patients, les gens qui avaient une moins bonne alimentation, une alimentation de moins bonne qualité, ben, c'était les gens qui avaient le plus de caries, qui perdaient des dents, ces choses-là, versus les gens qui avaient une meilleure alimentation, avaient une meilleure dentition. Donc lui, il s'est posé la question s'il pouvait avoir un lien entre l'alimentation et surtout entre l'alimentation moderne, on parle en 1930, 1920, 1930, versus une alimentation qui serait plus primitive, qui serait plus ancestrale. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti en voyage, un voyage qui a duré 9 ans, à travers 14 régions du monde. Dans lequel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié des milliers de personnes, il a pris des milliers de photos et il a regardé les gens. Puis ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il recherchait des groupes. Des groupes dans lesquels, de personnes, dans lesquels on peut retrouver deux groupes très, très similaires, qui avaient, tu sais, dans le fond, qui vivaient dans le même pays, qui vivaient dans les mêmes régions, qui vivaient, qui étaient très semblables, mais qui avait un groupe qui était plus isolé, donc qui avait conservé une alimentation primitive, ancestrale, si on veut, versus un groupe qui aurait adopté une alimentation plus moderne. On parle par exemple, je vous donne un exemple, en Australie, bien, on pourrait prendre des aborigènes qui vivaient encore dans leur tribu, qui n'étaient pas en contact avec la civilisation, qui mangeaient encore de façon ancestrale, comparativement aux mêmes aborigènes qui auraient vécu plus en ville, qui auraient mangé une alimentation qui était plus moderne. Fait que lui, ce qu'il a décidé,
c'est de faire des comparaisons avec ça. C'est ça. Fait que si on regarde, puis dans le fond, ce qu'il regardait principalement, c'est qu'il regardait, vu qu'il était dentiste, il regardait la dentition, mais il regardait aussi la structure faciale. Donc, à savoir, est-ce que la mâchoire, les joues, la stature des joues, ces choses-là, est-ce que c'était en mesure de supporter une bonne dentition? C'est tout des signes de santé. Et non seulement ça, il a regardé aussi pour d'autres maladies, la préséance de maladies. Qu'on peut voir ici dans les groupes, dans les groupes, on a un groupe à gauche qui était qui est de gens qui avaient une alimentation qui était plus ancestrale versus à droite des gens qui avaient une alimentation qui était dite plus moderne à ce moment-là. Okay? C'est que. Et non seulement ça, il regardait aussi l'impact que l'alimentation pouvait avoir sur la descendance de ces gens-là, sur les générations. Ça veut dire que combien de générations ça faisait que ces gens-là, les gens qui avaient adopté une alimentation moderne, ça faisait combien de générations qui avaient adopté cette alimentation-là. Il a pris des milliers de photos, comme je disais, mais il a pris aussi des échantillons de nourriture et des échantillons de sol pour pouvoir mesurer le contenu en nutriments qu'il y avait dans le sol. Et une des choses qu'il a découvert, c'est que dans la salive et dans les sols des groupes qui étaient plus isolés, ces sols-là et la salive étaient plus riches en minéraux, entre autres. Et là, c'est ça. Ça, c'est une des citations que Erin note dans sa présentation du docteur Weston A. Price, qui a fondé une fondation par la suite, la fondation Weston A. Price, qui dit dans mes études, j'ai découvert que ce n'est pas par accident, mais plutôt par la sagesse accumulée en regard à la nourriture qui était derrière l'excellence physionomique et l'absence de maladies modernes chez ces gens-là. Donc, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'était que chez ces gens-là, dans le fond, c'est pas par accident qu'ils mangeaient telle affaire puis c'était bon pour eux autres. Mais la réalité, c'était que c'est justement dans toute leur histoire, leurs ancêtres leur avaient transmis des informations, des notions en nutrition qui a été transmis de génération en génération. C'est ça qui a fait que il y avait des si bonnes dents, une bonne mâchoire, une bonne santé. Puis l'autre chose qui a déterminé aussi, c'était que chez les gens qui avaient adopté une alimentation plus moderne et qui avaient des problèmes au niveau de leur dentition, des problèmes au niveau de leur santé, ils consommaient tous un ou plusieurs des produits suivants. Soit du sucre blanc, du riz blanc, de la farine blanche, de la nourriture en canne, du sirop, des confitures et de l'huile végétale. Okay? Donc, ça, c'était des choses qu'il y avait en commun chez les gens qui avaient des problèmes de santé versus leur nourriture. Okay? Et lorsqu'il a fait la comparaison entre l'alimentation ancestrale puis l'alimentation moderne, mais au départ, au niveau des différents types d'alimentation, parce que comme j'ai dit tantôt, il a passé à travers 14 régions différentes, il a vu des milliers de personnes, il a découvert que l'alimentation ancestrale était extrêmement variée. Okay? Il y avait des diètes qui étaient très, très variées, que ce soit au niveau de la composition en lipides, en glucides, en protéines, et ainsi de suite. Cependant, il y avait tous des points en commun. Entre autres, un des points en commun, c'est que ces gens-là ne mangeaient aucun aliment raffiné ou dénaturé. Un autre des points en commun qu'il y avait, c'était que toutes ces civilisations-là mangeaient de la nourriture de source animale. Il n'y avait aucune civilisation qui était végétarienne. Ça n'existe pas dans la nature, c'est juste une invention moderne.
Et non seulement ça, normalement, ces tribus-là, ces personnes-là, mangeaient l'animal au complet, ce qu'on appelle le nose to tail, là, de la queue au museau, là, si on veut, là. Donc, ils utilisaient l'animal dans son entièreté. Ensuite de ça, la plupart mangeaient un peu ou beaucoup excusez-moi, de protéines animales crues. Chez ces gens-là, leur alimentation contenait 4 fois plus de minéraux et de vitamines solubles dans l'eau, puis 10 fois plus de vitamines solubles dans le gras. On parle des vitamines A, D, K et E. Okay? Donc, et une des raisons pour ça, puis on va en reparler tantôt, mais une des raisons pour ça, c'est que depuis les années 60, tout ce qu'on nous dit d'arrêter de couper le gras, ben, en coupant le gras, puis je sais que dans ce temps-là, ce n'était pas les années 60, là, mais en mangeant pas gras, en mangeant faible en gras, ben, on a moins accès à des vitamines qui sont liposolubles à ce moment-là. On va moins bien les métaboliser. Après ça, leur alimentation avait un très fort contenu en enzymes et en probiotiques. Lorsque ces gens-là mangeaient des noix, des graines, les grains étaient trempés, ils utilisaient la germination, ils utilisaient la fermentation et ainsi de suite lorsqu'ils mangeaient des noix. Et ça a l'avantage d'atténuer les effets des antinutriments et de rendre plus biodisponibles plusieurs des nutriments qui sont contenus à l'intérieur. Après ça, comme je disais tantôt, le contenu en gras a varié énormément dans leur diète. C'est-à-dire qu'il y avait certains peuples qui ne consommaient que 30 % de leur alimentation en gras seulement, tandis que d'autres allaient jusqu'à 80 %. Mais malgré ça, puis tu sais, ceux qui consommaient 30 %, avec, admettons, 30 % de protéines, 25-30 % de protéines, on parle quand même d'un 40 % en glucides. Donc, chez ces peuples-là, ben, ils consommaient quand même beaucoup de glucides à ce moment-là. OK? Mais ce qu'il y avait de particulier, c'était que malgré tout ça, même chez ceux qui consommaient 80 % ou 30 %, moins de 4 % de leur apport en lipides venait de gras polyinsaturé. Et ça, c'est vraiment important. Là, normalement, on devrait le lire, mais l'autre ligne. Ah, non, c'est le 2. OK, c'est ça. OK. Il y avait ça, puis il y avait. Attends une seconde, parce que je vais juste reculer. Je ne suis pas capable de lire ma dernière ligne. Pourquoi ma fenêtre est si grande que ça? Ah oui, OK, je viens de comprendre. OK. C'est ça. Ça, bon, okay, la dernière ligne, c'était que chez tous ces peuples-là, ils consommaient du sel. OK? Fait que ça, c'était la dernière ligne. C'était un autre point en commun qu'il y avait. Fait que quand on regarde dans les différents groupes ici en Suisse, les Esquimaux, les Indiens du Nord, ça c'est ici, ainsi de suite. Dans tous ces groupes-là, les peuples qui étaient isolés avaient un pourcentage de caries dentaires de ici 4,6 % chez les Suisses. Après ça, 1,2 % ici. Les Esquimaux, 0,09 %. Les Indiens du Nord, 0,16 %, et ainsi de suite. Comparativement à ceux qui avaient adopté une alimentation moderne, on parle de 30 %, 30 %, 13 % chez les Esquimaux, mais 21 % ici, 40 % ici, 29 % et ainsi de suite. Donc, on voit très bien que dans ceux qui ont adopté une alimentation moderne versus leur contrepartie qui était restée des tribus isolées puis qui ne consommaient pas une alimentation moderne, il y avait une très grande différence au niveau des dents. Bon, maintenant, on va regarder le docteur Francis M. Pottinger, qui était un médecin qui traitait des patients qui avaient la tuberculose dans les années 30.
Et la façon qu'il faisait pour traiter ces patients-là dans ces années-là, c'est qu'il prenait des glandes surrénales qu'il allait prendre chez des chats pour les donner à ses patients. Et ça aidait à. Parce que quand tu as la tuberculose, tu es affecté par une très, très grande fatigue. Et donc, ça les aidait. C'était une technique à ce moment-là pour pouvoir traiter les gens avec la tuberculose. Fait que pour tous les chats qu'il avait, qui élevait pour pouvoir prendre les glandes surrénales dessus, étaient alimentés avec de la viande cuite, avec de l'huile de poisson, et c'est de l'huile de foie de morue en réalité, là, et du lait cru. À un moment donné, le traitement est devenu populaire et ils ont eu besoin de plus en plus de glandes surrénales. Et à ce moment-là, ils ont commencé à manquer de nourriture pour nourrir les chats. Donc, il y a une industrie, dans le fond, qui produisait de la viande, qui a décidé de faire un don de viande. Dans le fond, ce qu'ils donnaient, c'est un peu la scrap que les autres n'utilisaient pas. Ils ont décidé de donner ça aux médecins pour qu'ils nourrissent les chats avec ça. Et là, après un certain temps, mais là, il y a eu des chats qui recevaient de la viande qui était crue, puis d'autres qui recevaient de la viande qui était cuite. Et à un certain moment donné, le médecin s'est rendu compte que les chats qui mangeaient de la viande crue versus ceux qui mangeaient de la viande cuite, ben, ils étaient en meilleure santé. Ils étaient plus pépés, plus d'énergie, leur poil était plus beau, et ainsi de suite. Fait qu'il a vu qu'il y avait quelque chose en arrière de ça, c'est qu'il a décidé de prendre un break de la médecine et de faire une recherche sur ces fameux chats. Donc, il a fait deux études. La première étude qu'il a faite, c'est une étude de viande, OK? Et dans le fond, ce qu'il a fait, c'est que quand il nourrissait ses chats dans le premier groupe, bien, deux tiers de la nourriture, c'était de la viande crue. Un tiers, c'était du lait cru. Et il donnait aussi de l'huile de foie de morue. Et dans le deuxième groupe, c'était deux tiers de leur nourriture, c'était de la viande cuite. Après ça, un tiers, c'était du lait cru. Et c'est ça, c'est ça. Et donc, ça, c'est la première étude. La deuxième étude, c'était que, c'est ça, il y avait deux tiers du lait cru, un tiers de la viande crue et de l'huile de foie de morue. Puis le deuxième, c'était deux tiers du lait, de différents types de lait. Je comprends pas que je voyais pas toutes mes images au complet. Hein. Ça fait qu'il y avait, en tout cas, il y avait du lait homogénéisé, pasteurisé, puis du lait, genre du lait pour enfants, là, qui est sucré un peu, là, pour du lait maternisé. Okay? Ça fait qu'il leur a donné ça, il les a comme mélangés de ce côté-là. Ce qu'il a découvert quand il a fait ses deux recherches, c'était que tous les chats qui consommaient du cru étaient en très bonne santé. Okay? Et que les chats qui recevaient de la nourriture cuite ou du lait qui avait été traité l'étaient beaucoup moins. Et entre autres, ce que les chats développaient, c'est que les chats qui ne mangeaient pas de cru avaient une structure osseuse beaucoup plus étroite et une mauvaise dentition, salut Val. Il y avait une mauvaise dentition. Un peu comme ce que le docteur Price tantôt, Weston A. Price, avait découvert aussi. On voit le lien entre les deux. Mais aussi, les chats avaient plus de fractures, les chats étaient plus anxieux, la fourrure était de mauvaise qualité, les chats faisaient de l'asthme, les chats avaient des allergies. Il a fait ces études-là sur 900 chats sur 10 ans. Fait qu'avec ça, ben, il a nécessairement étudié les différentes générations. Et ce qu'il a découvert, c'était que la deuxième génération et la troisième génération étaient encore en plus mauvaise santé que les premières générations, même si la nourriture ne changeait pas. Dans le fond, ils donnaient exactement la même nourriture. Contrôle, moins, on va rapetisser ton écran. Ah, ouais, regarde, on ne jouera pas avec ça, c'est. Oups, c'est ça. Ça fait que.
On va. Ah, c'est ça. Fait qu'il étudiait en descendante et il changeait pas la nourriture. Donc, il donnait. Salut Julie. Il donnait exactement la même nourriture aux enfants, aux rejetons, là, aux chatons qu'il donnait aux parents. Et à un moment donné, il se rendait compte que à partir de la troisième génération, les chats ne pouvaient même plus se reproduire tellement les chats étaient en mauvaise santé. OK? Et si. À un moment donné, ils changeaient leur alimentation et ils réintroduisaient de la viande crue dedans, mais ça pouvait prendre jusqu'à 4 générations avant de retrouver des chats à 100% de mes, de ses besoins. OK? De ses besoins. Excusez-moi, j'ai lu d'autres choses en même temps. C'est que à 100% de santé. Donc, je répète ça, ça veut dire que s'il prenait un chat et qu'il recommençait à donner du cru, ben lui ne revenait pas en santé à 100%, mais il pouvait recommencer à se reproduire. Sa descendance était pas top shape, même si sa descendance mangeait du cru. Et ça pouvait prendre jusqu'à 4 générations comme ça avant d'avoir un chat qui était top shape autant que la première génération là, qui mangeait du cru, et ainsi de suite. OK? Ça que. Et là, c'est sûr que on n'est pas des chats, OK? Mais l'importance de ça, c'est ce que ça met en évidence, c'est que ça prend une alimentation qui est adaptée à son espèce. Les chats sont des animaux qui sont carnivores et ils ont absolument besoin de manger. De la viande, par exemple. Quand vous voyez des végétariens complètement déconnectés de la réalité qui essayent de rendre leur chat végétarien, puis malheureusement ça arrive, là, ben ça c'est un non-sens total. Voilà exactement ce qui va se produire. Parce que, entre autres, il y a certains acides aminés qui sont disponibles juste dans la viande que les chats ont absolument besoin. Okay? Et donc, c'est la même chose chez l'être humain. Et on a besoin absolument d'un paquet de choses à l'intérieur de la viande. C'est extrêmement important. Et si vous ne consommez pas de viande, vous devez aller chercher ces nutriments-là dans des compléments alimentaires à ce moment-là. Donc, l'importance d'avoir une alimentation adaptée à sa propre espèce. OK, maintenant. Quelles sont les différentes méthodes de transformation de la nourriture? Et là, c'est important de comprendre que toutes les transformations ne sont pas négatives. Par exemple, la cuisson, c'est une transformation de la nourriture. Mais la cuisson peut être très positive. On le voit quand on étudie nos ancêtres, à partir du moment où ils ont commencé à utiliser le feu. Pour cuire, on a vu que leur santé s'est améliorée et ainsi de suite. Okay? Cependant, il y a d'autres stratégies qui sont utilisées par l'industrie. Entre autres, on a la pasteurisation, l'homogénéisation, la modification génétique, l'hydrogénéisation partielle. OK? J'avais dit, je pense, l'homogénéisation. Arroser la nourriture avec des pesticides et des herbicides. Nourrir les animaux avec des nutriments qui sont inappropriés pour eux. Et aussi le raffinage. OK? Fait que c'est toutes des méthodes de transformation de la nourriture. On va pas toutes les regarder en détail, mais on va en regarder certains. Et regarder les problématiques. Entre autres, pasteurisation, ça a été bénéfique pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des bactéries qui n'étaient pas bonnes pour les humains qui pouvaient se développer dans le lait. Mais le problème qu'il y a avec la pasteurisation, c'est que, entre autres, ben oui, ça tue des mauvaises bactéries. Mais ça tue aussi énormément de très bonnes bactéries aussi qui sont bénéfiques pour l'être humain. Ça fait que c'est une bonne chose, mais une mauvaise chose, entre autres. Et le problème des bactéries qui se développaient dans le lait,
À ce moment-là, on parle au début des années 1900, ça venait surtout du fait que on n'avait pas de frigidaire, la réfrigération n'était pas disponible, et ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça. Et les méthodes de manipulation aussi pouvaient faire que le lait se contaminait. L'autre chose que la pasteurisation a comme problématique, c'est que ça détruit des enzymes qui sont présentes à l'intérieur du lait cru. Okay? Et ce qui fait que, entre autres, ben, ces enzymes-là, on en a besoin pour pouvoir digérer les produits laitiers. C'est que la fondation de Weston A. Price a fait un sondage non formel à un moment donné avec 700 familles, un genre de petite étude, là, mais sans être une étude. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que 80% des gens qui étaient déjà diagnostiqués avec une intolérance au lactose, si ces gens-là passaient à du lait cru, l'intolérance au lactose disparaissait complètement. Pourquoi? Parce que justement, le lait cru, bien, il n'est pas pasteurisé. Et à ce moment-là, certaines enzymes qui sont nécessaires pour la digestion, comme exemple le lactase, qui est l'enzyme qui sert à digérer le lactose, bien, à ce moment-là, n'était pas détruite par la pasteurisation. L'autre chose, c'est qu'elle va détruire ou dénaturer des protéines complexes qui servent au système immunitaire. Elle va détruire ou endommager des vitamines, des minéraux, ou va les rendre moins disponibles pour l'absorption, spécialement la vitamine C, la vitamine B6, B12 et tout ce qui est vitamine qui est liposoluble, comme les vitamines A, E, D et K. Okay? Ça, c'est pour la pasteurisation. Quand on regarde ici, vous avez du lait maternel ici, vous avez du lait cru, après ça, du lait pasteurisé, du lait ultra machin, en tout cas, le lait ultra traité, là, ici, puis du lait pour les enfants, la formule pour les bébés, là. Donc, toutes les composantes, puis il y en avait d'autres là en bas, là, toutes les composantes qui sont contenues dans le lait maternisé, dans le lait maternel et dans le lait cru, qui sont rendues inactives dans les autres formes de lait ou dont la teneur est réduite, comme exemple des triglycérides de chaîne moyenne ici, la teneur est réduite dans les trois autres formes de lait. Et tout ça. Juste retourner voir une seconde. Okay. Ah oui, c'est ça. Puis il y a eu une étude en Finlande, en Europe, je m'excuse, pas en Finlande, en Europe. Il y a eu une étude en Europe qui a été faite parce qu'en Europe, dans plusieurs endroits en Europe, on peut avoir encore du lait cru. Et cette étude-là a démontré que les enfants qui étaient nourris au lait cru avaient beaucoup moins de chances, il y en a eu plusieurs de ces études-là, beaucoup moins de chances de faire de l'asthme, de faire des allergies ou d'être atteint de maladies auto-immunes. Et la raison de ça, c'est pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que justement, le fait de les exposer à une quantité industrielle de bactéries, ben ça améliore le système immunitaire. Voyons. Ça l'habitue à intervenir quand il y a besoin d'une façon pas trop importante, et ainsi de suite. Okay. Donc, ça, c'est la liste des vitamines qui sont moins présentes ou moins disponibles dans le lait pasteurisé. La vitamine C. Et vous voyez, même au 19e siècle, on disait que c'est ça. Ah, c'est pas là que je l'ai lu, mais en tout cas, dans le fond, ce qu'il disait, c'était qu'on pouvait guérir le scurvy, le scorbut, avec du lait cru, mais pas avec du lait pasteurisé, entre autres.
Le calcium, le folate, qui est très important chez les femmes enceintes, la vitamine B12, la vitamine B6, la vitamine A, qui est une vitamine qui est sensible à la chaleur, la vitamine D, le fer, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pour la pasteurisation. Maintenant, pour l'homogénéisation. C'est quoi l'homogénéisation? Quand vous regardez à gauche, l'image qui est à gauche, c'est du lait cru qui a été agrandi 800 fois. Et comme vous pouvez voir, il y a comme toutes des petites bulles. Et ces bulles-là, c'est des globules ou des cellules de gras. Okay? Fait que c'est des petites globules de gras. Et ces globules-là, ils ont une membrane, ils ont une paroi qui maintiennent le gras ensemble. Qu'est-ce qu'ils font quand ils font de l'homogénéisation? Ils vont brasser le lait jusqu'à temps que ces globules-là éclatent pour le rendre beaucoup plus homogène. On le voit ici, on ne voit plus aucune de ces globules-là. Donc, et la raison pour laquelle ils font ça, oui, ça augmente un petit peu le temps que le lait va rester bon sur la tablette, mais la principale raison, c'est que du lait cru, ben, il va avoir tendance à se séparer, le gras remonter un peu en surface, il va être moins smooth, si on veut, là, moins liquide, il peut avoir des motons un peu dedans, et ainsi de suite, tandis qu'un lait qui a été homogénéisé, ben, ça devient un liquide très homogène, le nom le dit. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que, c'est ça. Bon, la membrane qui est là, elle sert à quelque chose. La membrane sur les gouttelettes de gras, elle sert à protéger les lipides de l'oxydation. C'est que quand j'arrive et que je détruis ça, ben, automatiquement, je vais exposer les lipides, les molécules de lipides, des acides gras, à l'oxygène. Et donc, je vais augmenter grandement les chances que ces gras-là s'oxydent. Et automatiquement, quand vous dites un gras oxydé, bien automatiquement, c'est de l'inflammation dans votre corps. Quand on dit oxydation, ça signifie oxydation, ça signifie inflammation. L'autre chose qui arrive quand on fait ça, c'est que le calcium, normalement, le calcium qui est en suspension dans le lait, bien, il n'est pas en contact avec les gras et c'est comme ça que c'est supposé d'être. À partir du moment où ce que vous le brassez et qui devient comme à droite, ben le calcium rentre en contact avec les lipides et il y a une réaction chimique qui s'en produit. Et ça fait que ça va irriter votre système digestif. Et cette irritation-là peut réduire jusqu'à 6 fois l'absorption des différents nutriments qui sont contenus dans le lait. Donc les différentes vitamines, les protéines, et ainsi de suite, ça peut réduire jusqu'à 6 fois l'absorption de ça. Un autre effet que ça a, c'est que sur les membranes des petites globules de gras qu'il y a là, il y a des petites chaînes de glucose sur ces membranes-là. Et ça, dans le fond, c'est un système de communication avec le système immunitaire dans le corps. Et quand le système immunitaire voit qu'il y a la présence de cette petite chaîne de sucre-là, pour lui, ce que ça signifie, c'est que ça, c'est quelque chose de sain. C'est cette petite poche de gras-là, c'est quelque chose de sain, il n'y a pas besoin de s'en occuper. À partir du moment où on détruit la petite poche et qu'on homogénéise le lait comme ça, ben là, ce mécanisme-là de communication avec le système immunitaire n'existe plus. Et à ce moment-là, le système immunitaire peut attaquer les protéines ou les lipides qui étaient contenus dans le sac ou les résidus des globules et ainsi de suite. Et ça, bien, ça crée une réaction immunitaire souvent exagérée. Ça peut causer des allergies, mais ça peut causer aussi un paquet de problèmes comme allant jusqu'à la perméabilité intestinale aussi. Ensuite, ah oui, le raffinage des huiles et hydrogénéiser, c'est ça, les huiles végétales. Bon, première chose, les huiles partiellement hydrogénéisées qui forment des fameux gras trans. Maintenant, au Canada, on est chanceux
Les gras trans sont interdits, ou en tout cas, sont interdits d'en avoir beaucoup. Et s'il y en a, si un produit en contient plus que 0,5 grammes, c'est obligé d'être inscrit sur le produit. Pourquoi les gras trans sont problématiques? Puis attention, il y a beaucoup de gens qui mélangent les gras trans avec les gras saturés. C'est deux choses complètement à l'opposé. Les gras trans, ce sont des gras qui peuvent s'incorporer à l'intérieur de vos cellules, de la membrane de vos cellules, ça les endommage. Okay? C'est extrêmement problématique, même que lors d'autopsie, les médecins peuvent voir le gras trans ou ce qui s'est déposé à l'intérieur du corps. C'est vraiment extrêmement mauvais pour le corps humain. Les gras trans vont hausser les LD, les mauvais LDL, les petits VLDL très dangereux, vont diminuer vos HDL. C'est reconnu maintenant comme quoi les gras trans sont dangereux pour la santé et c'est pour ça qu'au Canada, ils sont interdits. Comme je disais, ben, si le produit en contient, parce qu'il y a certains produits qui contiennent des gras trans naturellement, là, ici, on parle surtout d'exemple, le fameux Crisco, là, parce que au début des années 30-40, Procter & Gamble aux États-Unis ont eu l'idée de génie, parce qu'ils produisaient de l'huile végétale, les autres, mais l'huile végétale, à ce moment-là, servait, c'était une huile très cheap, qui servait à lubrifier les machines. On était au début de l'ère industrielle, et donc, les autres avaient inventé l'huile végétale, mais là, ils se sont dit, hey, on pourrait vendre ça au monde, puis qui en mange, parce que c'est végétal, fait que ça doit être comestible, tu sais. Fait que là, il a commencé à vendre de l'huile végétale, mais ça ne se vendait pas. Pourquoi? Parce que les mères de famille, à ce moment-là, eux autres avaient été élevés avec du beurre, et du lard, et ainsi de suite. Et pour eux autres, c'était ça, les bons gras. Et pourquoi? Parce que, bon, les bons gras, c'était des gras qui étaient solides. Fait que Procter & Gamble ont décidé d'essayer de rendre les huiles végétales solides. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils injectaient de l'hydrogène à l'intérieur de l'huile, puis ça faisait de l'huile qui était hydrogénisée. Mais ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que ça les rendait, ces gras-là, ça formait des gras trans. Fait que c'est comme ça que ça a été inventé. Maintenant, on n'a plus ces fameux gras trans-là, mais on a quand même des huiles qui sont, entre guillemets, végétales. Et pourquoi j'ai entre guillemets végétal? Bon, pourquoi on parle de ça? C'est parce que ces gras-là, ces huiles-là, je m'excuse, sont supposément plus santé. C'est sûr, ça vient des légumes, donc ça ne peut pas faire de mal à personne. Ben, la première raison pour laquelle on a mis végétal en guillemets, c'est parce que ça ne vient pas des végétaux comme tels. C'est des huiles de graines. Entre autres, grosso modo, ça vient du soya, du canola, cottonseed, de l'huile de graines de coton, des huiles de maïs, et ainsi de suite. Très souvent, ces huiles-là viennent de graines qui sont d'organismes génétiquement modifiés. Et pour extraire de l'huile de ces graines-là. Je sais pas si vous avez déjà pris un grain de maïs, puis vous l'avez déjà écrasé sous vos doigts. Et, tu sais, si tu l'écrases ton doigt, est-ce que ton premier réflexe, c'est de dire, waouh, c'est donc bien huileux, cette histoire-là? La réponse est non, parce que, justement, la quantité de lipides que ça contient est infime pour commencer et est très, très, très difficile à extraire. C'est pas comme, exemple, une olive. Si tu prends une olive et tu écrases une olive, tout de suite, tu vas te ramasser avec une goutte d'huile. Les olives, la quantité d'huile dans l'olive est très, très présente. Ça fait que, et la différence, et donc, pour être capable d'extraire de l'huile de ça, ben, ces huiles-là ont besoin de se faire chauffer. Ils ont besoin d'avoir des traitements chimiques avec des agents de blanchissant et ainsi de suite pour être capable de venir à bout d'extraire ce lipide-là en bout de ligne. Fait que c'est un processus industriel très complexe
mais qui coûte pas cher. Donc, c'est pour ça que les huiles ne coûtent pas cher. OK? En passant, parenthèse ici, parce que c'est quelque chose qu'on parle souvent, c'est un sujet qui revient souvent, puis entre autres, ici, c'est à propos de l'huile de canola. Tandis qu'en Europe, pour mes amis européens qui vont écouter en reprise, ça va être de l'huile de colza, mais ici, c'est l'huile de canola. Et il y a bien des gens qui disent, oui, mais bon, l'huile de colza, il y en a qui n'est pas OGM, tu sais. Et la réponse à ça, c'est non. Ça n'existe pas. OK? L'huile de colza naturelle, le problème qu'il y a avec l'huile de colza naturelle, c'est que ça contient énormément d'acide érucique. Et l'acide érucique, c'est un acide gras qui est toxique pour l'être humain. OK? C'est très toxique pour l'être humain. Donc, à ce moment-là, au Canada, c'est pour ça que l'huile de canola, ça s'appelle canola, parce que c'est pour le Canada. Au Canada, on a inventé une forme de colza modifiée génétiquement qui ne contenait plus ou pratiquement plus d'acide érucique. Donc, ça faisait qu'on pouvait faire une huile de colza qui n'était pas toxique pour l'être humain. OK? Et là, maintenant, l'industrie a bien compris que le monde avait compris ça, puis que c'était plus populaire, les produits génétiquement modifiés. Et là, ce qu'ils ont dit, c'est que bon, ben maintenant, on va utiliser du colza bio. Et oui, ils utilisent du colza qui est bio, qui ne vont pas arroser avec des pesticides, des herbicides, ces choses-là. Mais à la base, la plante a été génétiquement modifiée pour que les graines ne contiennent plus d'acide érucique pour pas qu'ils soient toxiques pour l'être humain. Donc, vous aurez beau avoir l'huile de colza ou l'huile de canola avec la plus belle étiquette, que c'est marqué mur à mur, que ça contient pas d'OGM, que ça contient, que c'est bio, qu'elle est flattée dans le sens du poil, qu'elle a été cueillie une journée de pleine lune et tout ce qu'ils peuvent vouloir dire. L'huile de colza ou de canola est un produit génétiquement modifié. OK? J'aimerais que ça soit clair pour tout le monde. Ça n'existe pas de l'huile de colza naturelle, bio et ainsi de suite. OK? Pourquoi est-ce que les huiles végétales sont si problématiques pour la santé que ça? À part le fait qu'ils soient surtraités, surtransformés, qui utilisent des agents blanchissants, des émulsifiants, des toutes sortes de cochonneries comme ça, ben c'est parce que le gras, les lipides à l'intérieur des graines, il est protégé. Et en général, un des systèmes de protection que les plantes ont pour protéger les lipides qui sont contenus dans les graines, c'est qu'ils vont pacter ça avec de la vitamine E. Donc, c'est pour ça qu'on dit que souvent les graines de X, Y, Z contiennent beaucoup de vitamine E. Oui, pourquoi? Parce que la vitamine E, c'est un antioxydant qui sert à protéger à ce moment-là les lipides. Et là, quand vous détruisez la graine complètement pour aller extraire ce lipide-là, ben la vitamine E, l'antioxydant, est plus présent. Est plus là pour le protéger. Et c'est à ce moment-là que ces lipides-là vont s'oxyder extrêmement rapidement. Okay? Et c'est très vrai, spécialement quand ces huiles cheap-là sont utilisées dans du fast-food pour faire frire des frites, faire frire de la viande ou ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dès qu'on prend un polyinsaturé qui a 6 liaisons doubles sur son atome de carbone, sur sa chaîne de carbone, et qu'on lui met de la chaleur, bang, il va s'oxyder. Okay? Et ça va créer un mauvais acide linoléique, qui est un acide linoléique oxydé. Et si vous voulez voir ce que ça fait dans le corps humain, retournez voir dans mes Facebook Live du premier défi au mois de novembre. J'ai un Facebook Live au complet sur ça, sur le danger des huiles végétales. Okay? C'est que l'autre chose, c'est que
Ces huiles-là, le ratio oméga-3 et oméga-6, il est à peu près de 20 pour 1 en moyenne. Il y a des huiles végétales qui en contiennent plus, il y en a qui en contiennent moins, mais généralement, il est à 20 pour 1. Idéalement, chez les humains, on cherche à avoir un ratio oméga-3, oméga-6 autour de 1 pour 1. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a bien des gens qui disent que les oméga-6 sont inflammatoires. C'est pas vrai. Les oméga-6 ne sont pas inflammatoires. Les oméga-6 participent à la réaction inflammatoire. OK? Tandis que les oméga-3 participent à la réaction anti-inflammatoire. C'est normal, on veut avoir une réaction inflammatoire quand notre corps est agressé par quelque chose, c'est un mécanisme de protection. Le problème, c'est que on veut avoir autant d'oméga-3, d'oméga-6 parce qu'on veut être capable de quand on subit une réaction inflammatoire naturelle, normale, qui est voulue, mais on veut pouvoir avoir une réaction qui est désinflammatoire pour réduire cette inflammation-là par la suite. Et à ce moment-là, on a besoin d'oméga-3. Si mon ratio d'oméga-3, oméga-6 est complètement débalancé et que j'ai juste des oméga-6 dans mon sang, j'ai pratiquement pas d'oméga-3, bien à ce moment-là, oui, dès que je vais avoir une réaction inflammatoire, ma réaction inflammatoire va se produire. Dès que j'ai besoin, mon corps est agressé par quelque chose, je vais avoir ma réaction inflammatoire, mais mon corps ne pourra pas, après ça, se désinflammer. Il ne pourra pas défaire cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas accès aux oméga-3. Donc, la cascade d'inflammation va être complètement débalancée. Fait que je vais rester. C'est un peu comme, tu sais, les balances quand on était petit, quand on était des enfants, les balances qu'on avait deux personnes du même poids qui se montaient, qui descendaient tout le temps. Mais là, je me ramasse avec quelqu'un qui est très, très léger, puis quelqu'un qui est très, très lourd, je suis plus capable de revenir. OK? Et donc, c'est ça. On veut avoir une alternance entre les deux, puis on veut avoir des ratios qui sont autour de 1 pour 1. Quand on consomme une huile qui est à 20 pour 1 ou à 40 pour 1 ou 35 pour 1, bien à ce moment-là, on se débalance complètement. L'autre chose, c'est que aussi, quand les huiles végétales sont chauffées, elles peuvent produire des aldéhydes qui sont des produits qui sont toxiques pour l'être humain aussi et potentiellement cancérigènes. Bon. Maintenant, les protéines animales. OK. Est-ce que l'alimentation que l'animal qu'on mange compte? Est-ce que c'est important? Les ruminants sont faits pour manger de l'herbe. Les poules puis les porcs sont omnivores. Ils mangent des plantes puis ils mangent des animaux, genre des insectes, entre autres. OK? Aucun de ces animaux-là ne mange des grains naturellement. Si vous prenez une vache puis vous la mettez dans la nature, la vache va manger de l'herbe. Elle ne mangera pas des grains de maïs. OK? Fait que une poule, c'est pareil, puis un porc, c'est pareil. OK? Fait que oui, ce qu'on va nourrir les vaches va compter, ça c'est sûr et certain, ça va avoir une incidence. Par exemple, on sait que les vaches qui sont nourries au grain vont être souvent carencées en tryptophane. Ils vont avoir une déficience en tryptophane. Le tryptophane, c'est quoi? C'est un acide aminé qui est essentiel pour l'être humain, puis ça sert entre autres à nous maintenir heureux. Ça joue au niveau du système nerveux. Et c'est ça. Une carence en tryptophane, ben, peut nous rendre dépressifs. C'est que dans la viande qui est nourrie à l'herbe, le ratio d'oméga-3, oméga-6, d'oméga-6, oméga-3, est à peu près de 1,5 pour 1. Ce qui est très, très, très bien. Okay? Tandis que si je prends de la viande nourrie au grain, le ratio oméga-6, oméga-3 va être autour de 7 pour 1. Donc, mon ratio est beaucoup moins bon au point de vue du ratio. Souvent, j'ai dit aux gens, puis c'est important que vous compreniez, que vous pouvez, quand vous êtes carnivore, quand même manger de la viande du IGA, ce qui va être beaucoup mieux que de manger, exemple, végétarien ou ainsi de suite. Pourquoi? Même si c'est une viande qui est nourrie au grain, ben
Le ratio, c'est une chose, mais la quantité qui est contenue versus l'huile végétale, c'est une autre chose. Dans un steak, OK, je vais peut-être avoir autour de 2 grammes de polyinsaturé. Puis à l'intérieur de mon 2 grammes de polyinsaturé, je vais peut-être avoir un peu moins d'oméga-3 puis plus d'oméga-6. Mais mon steak, le gras qui est à l'intérieur de mon steak, il va être composé autour de 80-90% de gras saturés qui sont d'excellents gras pour la santé. Donc, ça, à partir de ce moment-là, même si le ratio est un peu désavantageux dans la viande qui est nourrie au grain, ça reste que je suis toujours mieux de manger ça que de prendre de l'huile végétale. Parce que dans l'huile végétale des gras saturés, elle n'en contient pas ou pratiquement pas. Le ratio est complètement débalancé au niveau des gras saturés. Ça veut dire, parce qu'un gras saturé, comment savoir si un gras est saturé? C'est pas compliqué. Un gras saturé, il va être solide à la température de la pièce. Donc, du beurre, c'est un gras majoritairement saturé. De l'huile de coco va être majoritairement saturée. Du suif, c'est majoritairement saturé. Mais de l'huile végétale, comme de l'huile de canola, il n'y a pratiquement pas de gras saturé dans l'huile de canola. Parce que, justement, à la température de la pièce, elle n'est pas solide, elle reste liquide. Donc, elle est composée beaucoup plus de gras polyinsaturé, un peu de monoinsaturé, pratiquement pas de saturé. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est pas un problème, mais si vous voulez, comme je vous disais, être optimal de cette côté-là, on peut pas être contre la vertu. Et oui, effectivement, un bœuf nourri à l'herbe, le ratio et la qualité de la viande va faire que ça va être supérieur à un steak qui va avoir été nourri au grain complètement. Ça, c'est sûr et certain. L'autre chose, c'est que, bon, comme exemple, si vous voulez y aller pour les poulets, ben, les poulets qui ont été élevés à l'extérieur, qui marchaient libres dans le gazon, qui pouvaient manger du gazon ou des insectes, c'est vraiment excellent. Là, ici, aux États-Unis, ils parlent des hormones, des antibiotiques. Au Canada, puis en Europe, je ne connais pas les lois, mais au Canada, les hormones sont interdites, les antibiotiques ne peuvent servir que pour traiter des maladies, des maladies chez les bêtes, ne peuvent pas servir pour engraisser la bête, ces choses-là. Et il peut plus avoir eu d'un antibiotique qui a été donné à un certain temps avant que la viande, que le bœuf soit abattu, puis qu'on ait déchiré la viande. Donc, pour nous, au Canada, au Québec spécialement, la présence d'hormones et d'antibiotiques dans la viande, c'est pas vraiment un problème. Là où est-ce que ça peut l'être, c'est au niveau des herbicides, des pesticides, sur ce que ces animaux-là ont mangé, ou est-ce qu'ils ont mangé du maïs transgénique et ainsi de suite aussi. C'est un autre débat. Mais oui, ce que la bête a mangé, ça a une certaine importance pour nous. Mais est-ce que vous devriez vous passer de manger de viande pour ça? La réponse, c'est non. Ça reste que la viande reste un nutriment qui est extrêmement important pour vous, qui a la plus grande biodisponibilité de ses nutriments, sa plus grande densité. Et donc, à ce moment-là, non. Cependant, si vous avez les moyens, si vous avez le goût d'aller vous acheter de la viande nourrie à l'herbe, allez-y, je vous encourage à le faire. Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai pas les moyens de manger ça à tous les jours, ça c'est sûr et certain. Après ça, bon, maintenant on parle de un autre sujet controversé. Les aliments faibles en glucides, santé, entre guillemets. Un peu comme je vous expliquais tantôt, dans les différents groupes, souvent, les gens ont tendance à poster
des aliments que certaines personnes appellent des frackin' food, là. Des aliments qui sont hautement transformés, mais qui ont un gros sticker keto dessus. Céto, faible en glucides, sans sucre ajouté, et blablabla, et blablabla. Et est-ce que vous pouvez consommer ça dans une alimentation cétogène? La réponse est oui. Absolument. La plupart de ces aliments-là sont réellement céto, dans le sens où ce que vous pouvez les consommer. Et ils vont vous permettre d'être en cétose nutritionnelle pendant que vous allez les consommer. Vous n'allez pas perdre votre cétose, votre glycémie ne va pas monter, ainsi de suite. Donc, ces aliments-là sont réellement céto. Mais dans un contexte d'optimisation, okay, ben, est-ce que vous devriez le faire? Encore là, ça dépend de votre contexte. Si vous, par exemple, vous soignez un cancer, vous êtes en traitement pour un cancer, je vous dirais à ce moment-là d'éviter le plus possible les aliments, les exemples qu'on va vous donner ici. T'sais? Et à ce moment-là, ben, allez-y pour de la viande nourrie à l'herbe et ainsi de suite. Vous devez essayer de mettre le plus les chances de votre côté possible. Mais si vous êtes un athlète, puis que vous avez toujours fait attention à votre alimentation, et que là, vous décidez de juste optimiser encore plus votre nutrition, ben à ce moment-là, ça, vous devriez peut-être les éviter, mais de temps en temps. Mais si vous dites, ben non, j'ai pas besoin, moi, d'être au top du top, ce que je fais, c'est déjà bon, ben ces aliments-là vont pas vous sortir de cette hausse éventuellement, et si c'est à l'occasion, ben c'est encore moins pire. Donc, vous devez avoir du jugement quand vous décidez. Fait que, vite, vite, on va regarder comme ça ici à gauche, l'étiquette qu'on voit en haut à gauche. Je sais que c'est dur à lire, là, mais bon, ça, c'est la fiche des ingrédients d'une barre protéinée qui est cétogène. Et le premier aliment qu'on voit, c'est du soy nugget. Donc, c'est des nuggets, c'est des. En tout cas. Pas des noix, mais j'ai le noix dans la tête, mais en tout cas, c'est des choses de soya. Après ça, il y a chocolate flavor coating, c'est polydextrose, maltitose, ça, c'est maltitose, c'est quand même correct. Mais pour essayer de comprendre la recette, admettons que moi, je voudrais reproduire ça. Ça me prendrait une maîtrise en biochimie pour être capable de le faire. Fait qu'à ce moment-là, si moi je ne suis pas capable de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mon corps ne saura pas quoi faire avec ça non plus. Donc, c'est le genre d'éléments qu'on veut éviter. Ensuite, la deuxième, c'est de la crème 35%. La crème 35%, ben, la liste des ingrédients n'est pas énorme. Il y a de la heavy cream, donc de la crème. Après ça, ça contient du lait. Ensuite, ça contient des mono et des diglycérides. Donc, ils ont rajouté un peu de sucre dedans. Et des polysorbates. Puis polysorbate 80. Puis de la caragéine, qui est un anti-moton, pour empêcher les motons. Fait que cette crème-là, ben, elle est ultra pasteurisée. Elle n'est pas vraiment organique. Ils ont rajouté des bebelles là-dedans qu'on n'a pas vraiment besoin. C'est pas le meilleur choix que vous pouvez avoir. La troisième, ben, c'est par exemple une mayonnaise. C'est une mayonnaise. La première chose, c'est de l'huile de soya. Après ça, de l'eau, blablabla, du vinaigre, du sucre. C'est un autre choix que vous pouvez. Tu sais, il y a des recettes de mayonnaise qui se font. Vous allez savoir ce que vous faites, qui sont très simples à faire. Même dans le carnivore, on peut en faire. Puis, je ne vais pas passer à travers tout ça, mais il y a du soya, il y a un paquet de cochonneries à l'intérieur de ces produits-là. Ou même, puis en bas ici, la photo qu'on voit en bas, là, on la voit mal, là, mais c'est des. Mettons, c'est chez McDo, un hamburger pas de pain. T'sais. Oui, c'est sûr que vous êtes au travail, vous êtes obligé d'aller manger au resto, dans un fast-food. C'est sûr que
C'est le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est ça, c'est de commander un hamburger pas de pain. Cependant, sur une base régulière, posez-vous la question de la qualité nutritionnelle de la viande qui est utilisée dans ces produits-là, dans ces hamburgers-là. C'est sûr que c'est pas de la viande qui nourrit à l'herbe à ce moment-là. Okay? Bon, maintenant. Erin nous parle de quatre piliers, appelle ça les quatre piliers de la cuisine mondiale, et ça vient de la docteure Kate Shanahan. Okay? Et je trouvais ça super intéressant de parler de ces quatre piliers-là. C'est facile à retenir, vous allez voir, il y en a qui sont vraiment intéressants. Puis, tu sais, le concept des piliers, les piliers de la santé, le sommeil, ces choses-là, je trouve que c'est des concepts qui sont faciles à retenir. Fait que, dans les quatre piliers, le premier qu'on voit ici, c'est manger de la viande qui a été cuite sur l'os. Et pourquoi cuite sur l'os? Ben, quand on cuit la viande, la disponibilité de certains nutriments diminue un peu. Et une des raisons pour ça, c'est que, et surtout, plus vous la cuisez dure, et plus vous allez devoir la mâcher, et moins, c'est ça, la disponibilité va être présente. Mais l'autre problème, c'est quand vous brûlez un peu la viande, quand il y a du noir dessus, ben ça peut devenir cancérigène, c'est pas bon. Et donc, à ce moment-là, quand vous la cuisez la viande sur l'os, ben l'os contient des minéraux qui viennent protéger la viande lors de la cuisson. Et non seulement elle va protéger la viande contre lors de la cuisson, elle va même protéger la viande lorsque la viande forme les particules noires quand vous la brûlez un petit peu. Ça fait que c'est très, très bénéfique. Et la meilleure façon de profiter de ça, c'est quand vous cuisez votre viande lentement. Encore mieux si vous la cuisez avec de l'eau, exemple dans une mijoteuse. Ça fait que la façon de vraiment conserver un maximum de nutriments de la viande, exemple, ça serait de la faire mijoter pendant 5, 6, 7, 8 heures, exemple, avec son os, parce que l'os, justement, va avoir des particules qui va rendre, protéger la viande, dans le fond, en réalité. Mais si vous faites cuire votre viande, mettons, au four avec un os, mettons, à la méthode le reverse sear là, que j'ai publié à maintes reprises, là, à 150 degrés, très longtemps, ben ça protège aussi à ce moment-là. Donc ça, c'est un des premiers, le premier pilier, c'est ça, c'est de manger de la viande qui a été cuite sur son os. Un deuxième pilier, ben, c'est de manger de la viande d'organes. Et souvent, je me fais poser la question, est-ce que je suis obligé de manger des organes? La réponse, c'est non. Vous n'êtes pas obligé de manger des organes, manger du foie ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Mais est-ce que je vous recommande d'en manger? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que justement, le foie, c'est quelque chose d'extrêmement nutritif. Et une des choses, puis, tu sais, il y a un des mythes, il y a un des mythes qui dit que le foie va stocker les toxines. Et la réalité, c'est non. C'est pas vrai. Le foie, oui, mais c'est la meilleure cuisson ever. Et la cuisson inversée, Valérie qui me dit. C'est ça. Et donc, le foie, il y a un mythe qui dit qu'il va stocker les toxines. Ce qui est complètement faux. Un foie ne stocke pas les toxines. Le foie va éliminer les toxines, justement. Son rôle, c'est de prendre les toxines dans le corps et de les éliminer. Donc, ils ne vont pas se stocker dans le foie, ils les éliminent complètement. Un foie qui est intoxiqué, le corps arrête de fonctionner très rapidement. On a besoin. Le foie, c'est. Après le cerveau, là, c'est probablement l'organe le plus important du corps humain. OK? Fait que. Son rôle est majeur, 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 le foie. Et non seulement ça, le foie, ce qu'il va stocker, il va en stocker des choses. Il va stocker des excédents de nutriments. Fait que si on a certaines vitamines en excédent, le foie peut les stocker, ça, pour le futur, par exemple. Donc, quand vous mangez du foie, ben, vous mangez des excédents de nutriments que l'animal avait à l'intérieur. C'est pour ça que le foie est si nutritif que ça. Ensuite, le troisième pilier, incorporer du cru, végétal et animal.
Pour les gens qui mangent des végétaux, là, c'est sûr qu'on parle du défi carnivore, on n'en mange pas. Mais si vous retournez à une alimentation qui est omnivore, de manger des végétaux crus, ça reste important. Il y a des façons de les apprêter pour minimiser les effets des antinutriments, mais aussi l'importance de manger de la viande crue aussi. Et je sais qu'il y a bien des gens qui me disent « Ah oh non, tu sais, il y a plein de bactéries à la viande crue, puis tout. » Premièrement, dites-vous une chose. L'être humain, quand on recule de 100 000 ans, 200 000 ans ou 500 000 ans, 2 millions d'années, OK, oui, on a toujours été des carnivores. C'est la viande et le gras qui nous a permis d'avoir notre gros cerveau et tout le kit. Mais quand vous regardez vos mains, quand vous regardez vos dents, OK, vous n'avez pas de griffes, vous n'avez pas de crocs. Et donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas un carnivore comme un lion peut être, comme ces animaux-là peuvent être. OK? Ce qui fait qu'on était originellement des charognards, des scavengers, des charognards. Et c'est pour ça que nous autres, le pH de notre estomac il se situe autour de 1,3. 1,3, c'est de l'acide à batterie. OK? De l'acide à batterie, c'est extrêmement fort comme acide. Et la raison pour ça, qu'on avait ça, c'était justement pour être capable de manger de la viande qui était passée date, okay, qui avait été laissée sur la victime 2, 3 jours, commençait à pourrir, et on pouvait la manger, puis notre estomac, l'acidité, tuait toutes les bactéries, les mauvaises choses qu'il y avait dedans. Okay? Donc, quand on regarde dans le règne animal, les animaux qui ont les acides, les taux d'acide les plus forts, donc le pH le plus faible, c'est tous des animaux qui sont des scavengers, des charognards. Okay? Donc, on a cette capacité-là. Et j'en ai parlé la semaine passée dans mon autre Facebook Live. Dans certains pays nordiques, entre autres, la viande fermentée, c'est un mets recherché. C'est quelque chose de très, très, très recherché comme mets. C'est très dispendieux, et ainsi de suite. Donc, on a cette capacité-là de manger de la viande comme ça qui est fermentée. Fait arrêtez de vous inquiéter sur les bactéries, tout le kit. Il y a du poisson qui peut se manger, exemple du saumon. Mais vous devez, quand vous l'achetez, vous devez acheter la qualité tartare ou aller sur Internet, puis il y a un processus pour prendre un saumon frais, puis vous devez le faire congeler à une température. Exemple, un congélateur de frigidaire, ça fait pas. Ça prend un congélateur tombeau, là, parce qu'il faut que la température soit très froide. Vous devez le faire congeler pendant, je me souviens plus quelle période de temps. Pour être sûr et certain que s'il y a des vers dedans, bien, vous allez tuer les vers complètement. Le froid va les tuer à ce moment-là. Mais il y a moyen de manger du steak en tartare. Vous pouvez demander à votre boucher de la viande qualité tartare. Il y a du poisson de qualité tartare. Quand vous mangez des sushis, bien, les sushis, c'est de la viande, c'est du poisson cru. Il y a différentes façons que vous pouvez manger. L'autre chose aussi, ce que moi j'adore, que je me suis acheté un assécheur, puis je me fais de la viande séchée. La viande séchée, c'est pas de la viande cuite, c'est une façon de manger de la viande crue. Et même, je me fais sécher du foie, qui est vraiment excellent aussi. C'est une façon de manger du foie. Une autre façon différente de manger du foie aussi, on peut faire sécher notre viande. Donc, troisième pilier, incorporer du cru. Autant au niveau du côté animal que du côté végétal, si vous êtes omnivore aussi. Quatrième pilier, c'est en haut ici, tremper, germer et fermenter. Okay? Donc, nos ancêtres ont compris des choses. Comme exemple, quand je fais tremper des amandes, ben à ce moment-là, je vois l'acide phytique qui est à l'intérieur va partir, donc je vais pouvoir mieux métaboliser l'amande, je vais avoir moins d'antinutriments. Donc, le trempage des différentes noix me permet d'éliminer beaucoup d'antinutriments. Après ça, les graines. Si je fais germer mes graines, bien, à partir du moment où ce que la graine a germé,
sais, les antinutriments dans les graines sont là pour protéger la graine, pour pas que la graine soit digérée. À partir du moment où ce que la graine a commencé à germer, tous les antinutriments disparaissent de la graine parce qu'ils sont plus nécessaires, ils n'ont plus besoin de protéger la graine. Donc, faire des germinaisons, c'est une bonne façon de manger, de consommer des graines sans avoir les problématiques des antinutriments. Après ça, la fermentation. La fermentation, nos ancêtres ont compris que si je faisais fermenter du lait pour en faire du yogourt, j'avais moins de glucides dedans, j'avais moins de sucre dedans, du fromage, c'est la même chose. Mais non seulement ça, en faisant fermenter, je vais produire des nouvelles bactéries qui vont être extrêmement bénéfiques pour mon microbiote. Donc, la fermentation, c'est vraiment c'est extrêmement bon pour le microbiote, par exemple. Ça fait que c'est toutes des stratégies ancestrales que nos ancêtres ont développées d'éliminer les problématiques de certains aliments, puis de nous permettre d'absorber, de métaboliser beaucoup mieux les différents nutriments qui sont contenus dans notre nourriture. Donc ça, c'est les quatre piliers que je trouvais extrêmement intéressant de vous partager. Ça ici, c'est un tableau des carences les plus fréquentes qu'on retrouve chez les êtres humains. Et en foncé, c'est les plus fréquentes des carences chez les carences. Okay? Et si vous remarquez, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et les deux vitamines K, le K1, K2, ce sont tous des vitamines qui sont liposolubles. Et une des raisons pour laquelle, encore plus aujourd'hui, ces vitamines-là, on est carencé dans ces vitamines-là, ben c'est pas pour rien, c'est parce que pour pouvoir les avoir, ils viennent avec des lipides. Et si vous mangez une alimentation faible en lipides, comme Ansel Keys veut qu'on mange depuis les années 50-60, ben vous n'aurez jamais assez de ces vitamines-là. OK? Donc, c'est une des raisons. La carence en vitamine A, ben, la santé des yeux, vos yeux ont besoin de vitamine A. Et où est-ce qu'on trouve de la vitamine A? Ben, dans le foie, dans les organes, la viande d'organes, dans le poisson, dans la viande, dans les produits laitiers. OK? Et si vous remarquez, là, les carottes, là, ben, ça ne contient pas de vitamine A. Ça contient, ce qui est marqué ici, des bêta-carotènes. La bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Ça veut dire que le corps peut fabriquer de la vitamine A à partir de la bêta-carotène. Mais ça prend une réaction chimique. Il doit pouvoir la faire. Ça ne veut pas dire qu'il va la faire nécessairement. Si je mange du foie, ça contient carrément de la vitamine A qui est disponible pour mon corps à utiliser immédiatement. Vitamine D, qui est importante pour la peau. La santé du cerveau, le métabolisme en général, le système immunitaire, les os, la santé des os, la santé du système digestif. On trouve de la vitamine D dans la viande d'organes, dans le poisson, dans les œufs, dans le soleil nécessairement. Et là, je ne ferai pas toute la liste au complet, mais c'est tout pour vous dire que si vous regardez dans la colonne où est-ce qu'on les retrouve, principalement, là, quand on regarde ça, on voit qu'il y a beaucoup de viande, beaucoup d'abats, beaucoup de produits laitiers et beaucoup au niveau des légumes, c'est des légumes principalement verts, mettons des brocolis, et ainsi de suite. Okay? Donc, mais c'est principalement, comme je vous disais, à l'intérieur de la viande et des produits laitiers, on les retrouve toutes à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est ça. Et des carences en nutriments sont la cause de maladies cardiaques, d'ostéoporose, de l'anémie, de la dépression, de l'anxiété, de l'arthrite, du cancer, des maladies du métabolisme, le syndrome métabolique, les maladies auto-immunes, entre autres. De plus en plus, on sait qu'il y a un lien avec la perméabilité intestinale, maladies de la peau, ces choses-là. Tu sais, cancer ici, ben, ce que vous mangez a un impact sur l'épigénétique. Je pourrais faire toute une présentation sur l'épigénétique,
C'est que je ne partirai pas là-dessus, mais c'est la capacité, l'épigénétique, dans le fond, c'est la modification temporaire ou permanente d'une petite partie du code génétique à l'intérieur du corps humain. Et la nourriture a la capacité d'aller écrire, faire des petites modifications comme ça. Et quand vous mangez mal, bien, ça peut justement aller écrire des conneries dans votre code génétique qui peuvent éventuellement devenir un cancer, un début de cancer. Donc, c'est de là qui vient le lien avec ça. Fait que le résumé de ça, c'est de rechercher le plus possible des aliments qui sont organiques, des viandes qui sont nourries à l'herbe, faites fermenter quelque chose, faites manger du cru. Manger de la viande qui a été nourrie à l'herbe, mais qui était comme des poulets qui ont mangé du gazon, des insectes, des choses comme ça. Faites germer vos graines et ainsi de suite. Et de cette façon-là, ben, vous allez pouvoir atteindre la version optimum de vous-même. Bon, c'était la présentation. Voyons, c'est ça ici que je veux faire. Et transition, parfait. Bon, 1 h 30, c'est quand même pas pire. Je vais voir s'il y a un petit peu de questions que je peux répondre. On va prendre 5 minutes pour répondre à des questions, puis après ça, on va pouvoir caler ça off pour la soirée. Est-ce qu'il y a des questions, groupe? La viande, tant qu'elle n'est pas piquée, non? Effectivement, idéalement, Valérie, on va essayer de manger de la viande qui n'est pas trop piquée. J'aime pas partager ma viande. Ah, pilier 3, la viande, cuisson bleue. Absolument. Moins la viande est cuite, mieux c'est, ça c'est sûr et certain. Surtout aujourd'hui. Tu sais, le principe de la viande, de la cuisson de la viande, c'est que si je prends, mettons, un steak, l'intérieur de la viande, c'est aseptisé. Dans le sens qu'il n'y a pas de bactéries qui se développent à l'intérieur de la viande. Les bactéries vont se déposer en superficie de la viande, en surface de la viande. Et c'est là qu'ils vont proliférer. Fait que quand je fais cuire mon steak, ben, je vais faire cuire les deux côtés qui vont tuer les bactéries qui se sont développées entre-temps. À l'intérieur, il n'y a pas de danger comme tel. C'est une des. Ah, parfait. Fait que c'est une des raisons pour laquelle on va te dire que si tu veux manger de la viande crue, ben, achète pas du steak haché parce que. Puis ça, je vous le dis, là, je vous l'avoue, là, je fais mon coming out à soir, là, mais du steak haché, moi j'ai commencé à manger ça cru, je devais avoir 2 ans. J'ai passé ma vie à manger du steak haché cru et je suis encore vivant pour en parler. Mais on va vous recommander de ne pas manger de la viande hachée crue. Pourquoi? Parce que, je vais expliquer la cuisson inversée après. Parce que la viande, quand elle est hachée, bien là, elle offre une très grande superficie aux bactéries pour se déposer. Donc, les chances qu'il y ait des bactéries qui soient pathogènes, dangereuses, sont multipliées par 1 000 avec la viande hachée. Tandis qu'un steak, bien, tout ce qui est à l'intérieur, c'est hermétique à ce moment-là. La viande est hermétique, donc il ne peut pas avoir. C'est pas aseptisé, mais c'est hermétique. Fait que la viande, les bactéries ne peuvent pas se développer à l'intérieur d'eux. Okay? Et les bactéries commencent à se développer quand vous exposez la viande à l'oxygène. C'est qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va vous dire la viande hachée, ne pas en manger, parce que là, il y a trop de superficie qui est exposée, donc la charge bactérienne que vous pourriez ingurgiter serait beaucoup augmentée. Fait que pour répondre à ta question, André, dans le fond, c'est que quand tu fais cuire ton steak, mais ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu tues les bactéries en superficie des deux côtés. Et à ce moment-là, mon steak à soir, j'ai mangé un steak qui avait 1,5 pouce d'épais, et dans le milieu, il était frais. Il était tellement bleu qu'il était encore froid dans le milieu.
T'sais, fait que, puis, tu sais, je l'ai fait cuire parce que j'aime le goût de la cuisson sur le dessus un peu. Mais souvent, je vais manger ma viande crue aussi. Des fois, je vais manger des ribeye crues que je vais juste saler un peu et ainsi de suite. Mais oui, effectivement, plus c'est bleu et mieux c'est parce que à ce moment-là, les nutriments qui sont sensibles à la chaleur, comme la vitamine C, entre autres, qui est très sensible à la chaleur. C'est que mon steak de tantôt, qui était froid au centre, mais sa vitamine C, là, elle n'était pas détruite dans le centre, ça c'est sûr et certain. Fait que la cuisson inversée, je l'ai publiée quelques fois, je vais la répéter encore. C'est exemple pour cuire les fameux tomahawks ou n'importe quelle viande, mais c'est le tomahawk, entre autres, qu'on donne l'exemple. Ça prend un thermomètre à viande, OK? Et ce que tu fais, c'est que tu prends ton steak et tu le mets sur une plaque au four à la chaleur, mettons, à 150 degrés Fahrenheit. Là, je m'excuse pour ceux qui sont en Celsius, là, mais moi, la cuisson, on est niaiseux comme ça au Québec, là. On mélange le système métrique et le système impérial tout le temps, là. Fait qu'en cuisson, j'étais en degrés Fahrenheit encore. Donc, à 150 degrés Fahrenheit, qui est le moins chaud en général, les fours vont pouvoir fonctionner. Fait que je vais mettre mon steak avec juste un peu de beurre sur le dessus, puis un peu de sel sur mon steak. Je vais le mettre au four avec le thermomètre et je vais le faire cuire tranquillement à 150 degrés Fahrenheit jusqu'à la température de la cuisson désirée. Moi, c'est bleu, donc c'est 120 degrés Fahrenheit à l'interne, au centre de la viande. Ça fait que la viande va cuire très, 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 très lentement de cette façon-là. Un coup qu'elle est cuite, je vais, mettons, 5 minutes avant que ma viande ait atteint la bonne température, je vais chauffer une plaque en fonte avec du beurre dessus, très, très chaude, rouge, là, okay, ou presque, là, la plaque n'est pas rouge, mais disons au plus chaud, pour pouvoir saisir mon tomahawk après. Donc, c'est ça qu'on appelle la cuisson inversée, parce que généralement, ce qu'on recommandait aux gens, c'était de saisir la viande avant et après ça, de la faire cuire lentement. Mais la meilleure façon, c'est de faire le contraire. C'est de la faire cuire lentement et ensuite, tu la saisis. Bang, bang, des deux côtés. Pendant 30 secondes, je vous dirais, maximum de chaque côté. Là. Moi, je prends mon tomahawk, d'un côté, 30 secondes, de l'autre côté. Après ça, je mets ça sur une planche en bois, je me coupe une tranche et c'est absolument divin comme cuisson. C'est définitivement ce qui ressemble le plus à la cuisson sous vide, la fameuse cuisson sous vide avec la Nova. Chose de même, je me souviens plus du nom, là. C'est que dans un bac d'eau, là, que tu mets ton steak, mettons, ton chose. Dans un sac sous vide que tu mets dans l'eau, puis ça maintient, la bebelle maintient la température de l'eau à 120 degrés, exemple, ou 125 ou 130 degrés Fahrenheit. Mais c'est exactement le même principe. Le problème, c'est que le four, généralement, ne descend pas en bas de 150 degrés Fahrenheit. Ils sont pas capables de descendre en bas de ça. Mais ça ressemble énormément. Puis après ça, ben, tu sors ton steak, tu vas le mettre sur le barbecue pendant 30 secondes des deux côtés, puis tu le manges comme ça. Fait que les deux types de cuisson sont très, très semblables. Mais l'avantage de la cuisson inversée au four, c'est que tu n'as pas besoin de la bebelle à 200$. Fait que tu n'as pas besoin du gros bac en plastique, de remplir ça d'eau et ainsi de suite. Et ça va être un poil plus rapide au niveau de la cuisson. Mais c'est bon pour les gros tomahawks, mais j'ai déjà fait ça aussi avec des steaks. Là, moi, j'achète les steaks chez Costco. Les steaks sont relativement épais là, chez Costco, là, sur les steaks pour le barbecue, là. Et on peut les faire au four de cette façon-là aussi. C'est absolument divin comme cuisson, là. C'est vraiment très simple. En anglais, ça s'appelle reverse sear. Et juste à aller sur le groupe, faire une recherche reverse sear, les détails sont tous là. Puis je veux la mettre, la recette aussi, sur mon blog aussi. Fait que c'est ça pour la cuisson inversée, MC Lauzon. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, groupe, le prochain live, je vais vous parler, c'est la semaine prochaine, et je vais vous parler de un sujet qui va être un autre sujet qui était très important pour moi de vous parler. Parce que quand j'ai commencé à faire le premier défi en novembre, j'avais toute une série de sujets sur le carnivore que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler. Et dans le premier du mois de novembre, j'en avais parlé un petit peu, mais pas durant les lives. Merci, Jasmine. Mais là, je veux consacrer un live au complet sur ce sujet-là. Ben oui, Julie, il n'y a pas de problème. Un steak par jour, ça éloigne le docteur pour toujours en passant. Et donc, le sujet que je veux vous parler durant le prochain live, c'est l'impact de la viande, du bœuf et ainsi de suite sur l'environnement. Okay? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, OK, correct, je peux croire que la viande, c'est quelque chose de bon pour la santé, mais présentement, dans le contexte où ce qu'on est, de réchauffement climatique et tout ça, tout le monde me dit que manger de la viande, manger un steak, c'est pire que d'aller au Mexique en avion, blablabla, et ainsi de suite, là. Et je veux démystifier tout ça. Puis je vous le dis tout de suite, groupe, avant qu'il y ait des gens qui se posent la question, je suis très, très, très loin d'être un climato-sceptique. Bien au contraire, je suis parfaitement conscient du réchauffement climatique depuis des années en plus de ça. Et dans ma job de jour, je travaille justement à combattre ça, entre autres. Mais bon. Le fait que la viande participe à ça, c'est un très gros mythe. Et on va en parler durant tout un live au complet dimanche matin prochain, si c'est possible. Donc, gang, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une super bonne fin de soirée. Merci encore de votre présence, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao.